Nous allons remettre en vigueur quelques mesures de précaution pour nos célébrations. C'est une messe pas tout à fait comme les autres. Il y a trois jours, conformément aux directives du pays, Mgr Cotenceau, archevêque de Papeete, exhortait ses fidèles à respecter strictement les consignes sanitaires et notamment le port du masque au cours des cérémonies religieuses. Ce matin, à Mariano Tejao, peu de masques mais de la distanciation. Difficile en effet pour les catholiques de renoncer aux embrassades et aux gestes d'amitié fréquents lors de la messe. À la sortie, les fidèles sont partagés. Je crois que ce que l'Église et le Seigneur voudraient, c'est qu'on arrive à dompter. L'intelligence de l'homme est capable de dompter cette épidémie. On va protéger les autres pour l'instant. De toute façon, c'est quelque chose avec c'est une situation dans laquelle on doit vivre pour l'instant. On va éviter de se toucher, oui, mais... Ça change, parce que c'est une famille qui se rassemble. Il y a le père, la mère et les enfants juste à côté. Alors, s'ils se mettent à s'éloigner l'un de l'autre, tu vois, c'est de respecter. Au début et à la fin de l'office, les consignes ont été rappelées. La hiérarchie catholique a pris conscience de l'importance de ce message dans la communauté, même si cela contraint à une discipline inhabituelle. Ça change énormément, ça a mis vraiment de la distance. Et on n'est pas habitué à ça. C'est difficile, extrêmement difficile. On lance les invitations, mais là, c'est comme la période de confinement. Là, il fallait vraiment un confinement pour que les gens arrêtent, pour qu'on arrête vraiment de se faire la bise, de se donner la main. Et là, on a repris le cours de la vie, et pour arrêter, il faut vraiment, je vais dire, une sanction, quoi. Le curé de Mariano Tejao sait que le coronavirus a éloigné certains fidèles de son église par peur d'une contamination. Une désertion compensée en partie par les réseaux sociaux, puisque les brebis égarées peuvent désormais suivre la messe sur Facebook.